En 2022, je veux un horizon pour la France, un horizon sur lequel le soleil ne se couche jamais. Bon, sérieusement, désolé pour ce clip ridicule. Je profite des dernières minutes du jour, des derniers jours de campagne. Et ce que j'ai retenu cette semaine, c'est le débat de mercredi, bien sûr, que j'ai trouvé d'une violence incroyable. C'est Nietzsche qui écrivait une très belle citation. Je me trompe peut-être dans l'exactitude des mots, mais je crois que ça ressemble à poser des questions à coups de marteau et entendre comme réponse ce son qui parle d'entrailles pleines de vent. Et du vent, il y en a eu mercredi. Un vent qu'on peut rendre aussi toxique, aussi méprisant qu'on veut, il restera quand même du vent. Et je pense que Marine Le Pen a bien démontré qu'en fait son programme ne repose pas sur grand chose, à part bien sûr l'agression, le rejet et la critique sans fondement ni volonté de transformer les choses. Je suis sûr dimanche de voter pour Emmanuel Macron. Et j'espère que beaucoup de gens feront le même choix. J'ai regardé les 30 premières minutes du débat télévisé de l'entre-deux-tours. J'ai pas eu l'envie de continuer car j'ai été affligée par la manière dont Marine Le Pen s'est dès le début mise à critiquer Emmanuel Macron. Et en fait, pour moi, il ne s'agissait pas d'un débat sur le fond de leur programme. En revanche, j'ai trouvé cela intéressant d'un point de vue argumentatif de voir leurs efforts pour tenter de prendre le dessus sur leur adversaire. Dimanche, j'irai voter Emmanuel Macron. Ce débat m'a renforcé dans l'idée que je ne veux pas que ce soit Marine Le Pen qui devienne présidente. Voilà, la seule actualité que j'ai vraiment suivie, c'est le débat d'hier soir, que j'ai regardé en parallèle de mon travail. T'en as pensé quoi ? J'ai pas été très convaincu, j'ai trouvé ça assez puéril en fait, avec Marine Le Pen qui je sais pas, qui essayait de faire de l'humour, qui essayait de faire rire. Enfin, c'était extrêmement gênant, je trouve, son attitude pendant tout le débat. Et puis également Emmanuel Macron, que j'ai trouvé un peu au fait qui se plaçait dans une espèce de position de victime, toujours à demander le respect. Bon, mais, enfin, c'était assez. Je trouve que l'atmosphère était très étrange, en particulier à cause du fait que les journalistes étaient complètement en retrait. C'était vraiment une espèce de discussion. Je sais pas, c'était une atmosphère assez puérile encore. Après, j'ai trouvé que Emmanuel Macron s'est défendu mieux que ce à quoi j'aurais pu m'attendre. J'attends absolument rien de Marine Le Pen. Elle brasse du vent et elle raconte des mensonges comme de coutume. Du coup, ça t'a conforté dans ton choix pour dimanche ? Mon choix pour dimanche a toujours été un vote contre Le Pen et jamais un vote pour Macron. Je maintiens mon choix avec un certain dégoût. Le vote Macron, mais certainement pas le soutien au programme, au projet Macron. Alors, ce que j'ai retenu de l'actualité de la semaine, c'était forcément le débat. J'ai trouvé ça vraiment affligeant, voire ridicule. Le comportement de Marine Le Pen m'a vraiment dégoûté. J'ai trouvé que c'était vraiment une des attaques qui était pour la plupart sans fondement, et même quand elle s'en rendait compte, elle continuait à déblatérer ses attaques. Donc, même si je suis toujours pas convaincue par les idées de Emmanuel Macron, et que on n'est pas totalement sur la même longueur d'onde, je pense que ça m'a définitivement trop dégoûtée de Marine Le Pen, et qu'au final je vais renoncer au vote blanc et je vais enfin céder au vote pour Emmanuel Macron, même si ça me fait très mal. Voilà.